Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey et ceci est un podcast principalement dédié à ma création de tricot. Merci beaucoup de me retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juin. Je n'ai pas tourné depuis 3 semaines, donc oui, la majorité du mois de juin est déjà passée. Oui, alors, si vous avez vu les précédents épisodes ou que vous m'avez vu quelque part, ne paniquez pas, tout va bien, tout est sous contrôle. Ceci, niveau changement capillaire, est pour moi quelque chose de plutôt raisonnable en fait, par rapport à ce que j'ai pu faire dans le passé et au fait qu'on est passé à ça, d'une coupe à la garçonne encore, rose fuchsia. Voilà, je suis pas quelqu'un qui suis très précieuse avec mes cheveux. Donc ça arrive que quand j'en ai marre, j'en ai vraiment marre. Du coup, voilà, c'est plutôt sympathique, faut que je m'habitue, mais c'est très bien. Et en ce qui concerne ce que j'ai sur les bras, tout va bien. Bonjour. Donc je n'ai pas tourné depuis quelques semaines, j'ai quelques projets à vous présenter. Une sortie de patron qui me tient beaucoup à cœur et je suis contente de l'avoir pour cette fin du mois de juin. J'ai un projet fini, j'ai 2 en cours dont un nouveau parce que... après avoir tourné le dernier épisode où je me souviens avoir encore dit qu'il fallait que j'arrête de monter trop de projets, eh bien j'ai monté un nouvel en cours, évidemment, c'est toujours comme ça. Donc 2 en cours à vous présenter et de la laine que j'ai achetée et reçue et que j'ai envie de vous montrer parce qu'elle est très sympa et que je vous en avais vite fait parler il y a quelques épisodes. Donc voilà, c'est déjà complètement chaotique et embrouillé. On va y arriver. Je voulais vous remercier pour vos gentils mots d'anniversaire puisque mon anniversaire était le 1er juin. Voilà, je vous... reconnaissante de votre soutien et de votre gentillesse. Et voilà, donc c'est parti. Vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage, si vous voyez que je commence à partir dans des envolées plus ou moins lyriques, n'hésitez pas à regarder les temps et à passer à ce qui vous intéresse. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mes patrons sur Ravelry. Voilà, voilà. Je vais commencer avec un nouveau modèle que je viens tout juste de publier sur Ravelry. Et c'est un châle. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas posté de patron de châle. Mais voilà. Donc, c'est un châle qui a des plis parce que, voilà... il s'agit du châle Emelda, donc qui est un grand châle avec des rayures et de la dentelle. Donc faisons les choses petit à petit. Il se commence par la pointe ici, donc on monte très très peu de mailles, et vous alternez des rayures en jersey avec vos 2 couleurs. Vous augmentez de ce côté, vous avez une bordure qui augmente d'une maille à chaque fois, une petite bordure en point mousse, et de l'autre côté, quand vous le tricotez, voilà, vous avez ici un petit peu de point mousse aussi et des mailles glissées, vous avez une maille glissée de chaque côté. On tricote, pas mal. Je voulais vraiment un gros, déjà je voulais un grand châle parce que j'aime bien les grands châles, et je voulais une longue section de jersey, voilà. J'ai essayé de trouver le point où, alors esthétiquement c'était joli parce que c'était long et grand et ça tombait bien, mais aussi le point où au moment du tricot, c'est sympa, c'est relaxant, c'est vraiment chouette, mais bon, il y en a marre vite, je veux quelque chose de différent, histoire un petit peu de vous préparer à la dentelle. Et donc j'ai ce point de dentelle qui est fait dans la couleur principale du châle, qui est une dentelle qui n'est pas très compliquée.
Elle se fait sur les deux rangs, c'est-à-dire que vous avez des diminutions et des jetées de chaque côté pour les petites portions qui sont ici. Mais voilà, ça reste des points simples, il n'y a pas de diminution trop alambiquée, il n'y a pas d'augmentation dans une maille un petit peu trop un petit peu spéciale, disons. On est sur des points qui sont simples mais qui sont agencés d'une certaine façon. Donc le patron contient des grilles pour la dentelle, donc il faut savoir lire une grille, ou en tout cas il faut être dans la démarche d'apprendre à le faire. C'est-à-dire que comme la grande majorité de mes patrons, les instructions sont le plus exhaustives possible, c'est-à-dire que même si vous n'avez jamais suivi de diagrammes, notamment de diagrammes à plat, puisque donc c'est un châle et donc ça se tricote en aller-retour. Si vous n'avez jamais suivi de diagramme à plat ou si vous n'êtes pas forcément très à l'aise, toutes les informations sont dans le patron. Vous avez toutes les indications de comment lire le diagramme, quel point équivaut à quel point sur l'endroit, sur l'envers. Tout est indiqué dans le patron. C'est juste que voilà, il faut lire le patron. C'est toujours... C'est le jeu quand on est créateur de patron, je pense, au niveau de la rédaction des instructions, c'est d'être le plus clair possible, tout en sachant pertinemment que peu importe à quel point on vous prend par la main, si vous ne lisez pas les instructions, ça ne marche pas. Mais voilà, donc le patron a toutes les indications pour vous permettre de lire le diagramme de dentelle qui n'est pas si compliqué que ça, hein, de toute façon. C'est simplement si vous êtes vraiment novice en lecture de diagrammes, plus qu'en dentelle, puisqu'encore une fois, la dentelle, ce sont des points simples. Mais si vous êtes moins à l'aise avec la lecture de diagrammes, sachez que il va falloir lire le petit paragraphe à côté de la grille et pouvoir un petit peu l'assimiler. Mais voilà, c'est un petit peu aussi pour ça qu'il y a cette longue période de jersey, justement. Je me suis dit, voilà, dans la démarche où vous êtes en train de tricoter ce gros tas de jersey, alors certes, il y a les rayures qui sont très chouettes, mais arrive un moment où vous avez envie de quelque chose d'autre, et c'est pile là que j'ai voulu mettre donc cette dentelle. Donc c'est une dentelle, comme je vous l'ai dit, avec des points simples et avec des petites nappes, ici. Alors, ce sont des nappes qui se font d'un seul coup, donc on ne retourne pas le tricot. C'est quelque chose que je n'aime pas beaucoup sur le travail des nappes, c'est quand on doit faire des grosses nappes qui ressortent beaucoup, où il faut faire des allers-retours et retourner pour tricoter juste les mailles des nappes. Je trouve ça assez fastidieux. Je suis pas fan de nappes au point de pouvoir passer outre ce côté fastidieux. Du coup, je suis constamment en train d'essayer des méthodes de nappes qui sont un petit peu plus faciles à tricoter, du moins que je trouve plus agréable à tricoter. Et c'est le cas de celle-ci. Du coup, ce sont des petites nappes qui ne sont pas vraiment énormes, qui se font sur un seul rang. Et dans le patron, vous avez le lien vers une vidéo tutoriel que j'ai tournée pour vous montrer comment faire ces nappes. Mais voilà un petit peu pour le gros du châle, disons, voilà. Ensuite, on refait un petit peu de rayures, puis on finit par un peu plus de cette dentelle que je trouve vraiment, vraiment très, très jolie. C'est inspiré d'une dentelle japonaise que j'ai un peu... raccourci, je l'ai aplati sur elle-même et j'ai supprimé des enjolivures pour mettre les nappes à la place. Et une fois qu'on a fini cette dentelle, on fait quelques rangs de points de mousse et un rabat en I-cord. Je suis désolée, il y a des marques de blocage mais qui n'ont pas bien tenu puisque je l'ai fini il y a longtemps, mais voilà, ça se termine en tuc 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 et vous pouvez bloquer la dentelle de sorte à ce qu'elle fasse les jolis picots qu'elle faisait lorsque j'ai fini le châle et que j'avais pris les photos. Mais il est depuis plié en 6 fois dans mon placard et du coup ça s'est un petit peu défait, mais pas tant que ça. Et une fois qu'on a fini ça, on vient sur le côté droit du châle. Donc si je le prends dans le bon sens, on a augmenté tout du long ici en haut et vous avez en bas
la deuxième bordure plus petite, donc c'est un triangle hein, asymétrique, et la deuxième bordure, on vient relever les mailles, alors on les relève sur l'envers, de façon à ce que notre maille glissée se retrouve sur l'endroit, et donc ça fait cette espèce de petite enjolivure ici, où vous avez la bordure que vous aviez tricotée tout du long du châle, puis on relève les mailles, on tricote un petit peu de point mousse, et on fait un autre rabat en I-cord, que moi j'ai fait du coup dans ma couleur contrastante, mais vous pouvez évidemment mélanger les couleurs, changer des choses. Voilà, c'est la petite finition que je trouvais vraiment chouette de ce côté. Ça fait en fait un petit jeu de textures que je trouvais intéressant. Voilà donc pour la construction générale du châle. Donc c'est un châle à deux couleurs. Trois écheveaux de fingering, donc deux écheveaux de la couleur principale et un écheveau de la couleur contrastante. J'essaie de vous montrer un petit peu sa taille entière. Il est assez profond et assez long. Et c'est un châle que moi j'ai tricoté avec les laines de Deborah, donc des petites potions, qui est une teinturière indépendante basée juste à côté de chez moi. Et donc c'est en collaboration avec elle, donc elle m'a offert les écheveaux pour que je crée ce châle. Donc c'est une base, c'est sa base Sweet Alpaca, qui est un mélange d'alpaga, soie et nylon. Je dis une bêtise. Ah, c'est alpaga, soie et cachemire. Donc c'est une base qui est extrêmement douce. Qui est une. Et qui est extrêmement douce. Un très très beau mélange qui a énormément de drapé, vous vous en doutez vu la composition. L'alpaga c'est quelque chose qui a tendance à s'étendre et à être plus lourd. Du coup mélangé à la soie qui drape aussi beaucoup et à la douceur du cachemire, ça fait vraiment une matière qui est très... qui s'étale pas mal. Du coup le défi c'était de réussir à faire un châle avec un motif de dentelle qui ressortirait bien dans cette base. Et donc comment j'ai fait? J'ai un échantillon qui est plutôt serré pour un châle. En jersey, j'ai 28,5, 29 mailles sur 10 cm, ce qui est dense pour un châle. Mais du coup, ça permet d'avoir quelque chose qui drape beaucoup. Enfin, voilà, hein, c'est beaucoup. Mais qui se tient quand même. Et qui, au niveau de la dentelle, puisqu'on ne va pas s'amuser à changer d'aiguille, hein, vous pouvez, mais bon, personnellement, je ne suis pas assez méthodique pour cela, au niveau de la dentelle, montre bien quand même les motifs. C'est un petit peu le problème quand on tricote des châles, soit avec un échantillon lâche, soit du coup avec une matière qui a tendance à s'étendre, c'est de réussir à avoir un motif qui ressorte bien, parce que si un motif de dentelle ou de torsade est trop étiré, c'est pas joli, on voit pas bien les formes. Du coup c'est pour ça que là j'ai choisi d'avoir un échantillon assez serré. Alors j'ai tricoté en 3 mm hein, non plus, c'est pas... voilà, c'est rien de... C'est rien de catastrophique, c'est juste que avec la finesse du fil, en 3 mm, ça a donné un échantillon qui se tient bien et qui permet de voir vraiment bien la dentelle s'il n'y avait pas tous ces plis. Mais voilà un petit peu la clé de ce mélange alpaga en châle et... Du coup, la conséquence, c'est que si vous n'utilisez pas forcément un fil qui tombe, si vous utilisez un Merino Superwash plus classique, vous ajustez un petit peu l'échantillon. Ne vous embêtez pas à avoir 29 mailles, ce sera beaucoup trop dense. Comme toujours pour les châles, l'échantillon va déterminer la taille du châle et le métrage de laine que vous allez utiliser. Donc si vous n'êtes pas pile poil sur l'échantillon, dans ce cas précis ce sera pas trop grave puisque vous risquez juste d'avoir un châle, vous aurez un châle plus grand disons, donc à moins que vous ne vouliez vraiment pas un châle aussi grand, mais j'ai
quelques-unes de mes testeuses du coup qui pour ajuster les différents échantillons, d'autres qui voulaient utiliser de restes, qui se sont amusées à faire différentes sortes de rayures, à finir le châle d'une façon différente, à arrêter la dentelle un petit peu plus tôt. Voilà, donc le châle reste quand même adaptable en termes de taille et de fil. Donc vous pouvez voir les versions de mes testeuses pour vous donner un petit peu d'inspiration sur ce projet-là. Mais si les laines de Déborah vous intéressent, elle prépare des kits avec différents coloris. Donc moi j'ai utilisé les coloris pétales et perles du matin. Mais elle a pas mal de duos ou de trios de couleurs, puisque vous allez voir que j'ai notamment une testeuse qui a utilisé un mélange à trois couleurs en faisant des rayures différentes ici. Et Déborah en tout cas accepte aussi les commandes personnalisées. Donc si vous pouvez voir sur son site, donc c'est Les Petites Potions, je ne sais même pas si j'ai dit le nom de sa marque, Les Petites Potions, vous voyez sur son site toutes les possibilités de coloris, et donc il ne faut pas hésiter à lui demander un kit un peu personnalisé si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les fils et les associations de couleurs déjà proposées. Mais voilà, donc c'est un joli châle un petit peu délicat que j'aime beaucoup, qui est tout doux et que j'ai hâte de porter quand il fera pas 40 degrés. Voilà. Pour un petit projet d'été. Donc Emelda, qui est disponible sur Ravelry. Et il y a comme d'habitude une petite réduction pour la sortie du patron. Donc Emelda est à moins 15% jusqu'au dimanche 27, 28, je ne sais plus, 26 plutôt, je ne sais pas. Mais voilà, pour la dernière sortie du mois de juin, j'espère en tout cas qu'il vous plaît. Moi je trouve que je suis assez fière de ce châle, ça fait un petit moment que j'avais envie de refaire un modèle de châle et j'étais très attirée au moment de la conception par une jolie dentelle un petit peu délicate, des choses comme ça. Donc je suis très contente. Il est aussi possible de le faire en uni, hein, tout à fait. Je sais pas pourquoi j'imagine un châle de mariée. En fait, c'est la délicatesse de la dentelle qui me fait penser à ça, mais ce serait tout à fait merveilleux. Mais voilà pour Emelda. Je pense que j'ai tout dit, j'espère ne rien avoir oublié. C'est un petit peu le problème de papillonner autant d'un modèle à l'autre entre la réalisation et la sortie, c'est que je ne sais plus, je ne sais plus ce qu'il faut que j'en dise. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, ce n'est pas un modèle compliqué, c'est juste qu'il faut vouloir un petit peu se prendre en main. J'ai filmé une vidéo sur la lecture des grilles en dentelle ou en torsade, la lecture des grilles en général, juste des petites astuces de lecture, en fait pourquoi est-ce qu'on lit une grille de telle façon et pas autrement. J'ai déjà filmé ça, il faut juste que j'ai le temps de l'éditer et de l'exporter surtout, et de la mettre en ligne. Donc d'ici quelques jours sur ma chaîne YouTube, il y aura sans doute cette vidéo sur la lecture des diagrammes, alors qu'il ne sera pas un tuto complètement débutant, hein, ça, c'est juste des précisions, des concepts théoriques et pourquoi c'est comme ça et pas autrement, plutôt, et des réponses à des questions que j'ai eues via mes tests ou via Instagram. Mais voilà, ça pourrait être utile pour ce projet, ça pourrait être utile pour tout projet qui vous demande de lire un diagramme. Donc je vais essayer d'éditer ça dans la semaine et de le mettre en ligne d'ici quelques jours. Mais voilà, pour le modèle que j'ai publié sur Ravelry, je vais passer à mes projets finis. Et j'ai un projet fini que vous avez peut-être aperçu sur Instagram et sur le petit vlog que j'ai publié le week-end dernier, mais il s'agit du top Florence de Sari Nordlund que j'ai testé pour elle. Alors vous m'excuserez, mais je ne vais pas le mettre parce que non, et aussi parce que je ne peux pas
toucher ça avec de la laine. Donc je suis un petit peu... Vous devriez me voir en train de tricoter, je suis comme ça. Voilà, je tricote comme ça, c'est super niveau ergonomie. Je ne vais pas le mettre parce qu'il fait trop chaud et parce que les petits fils de laine poilue, là, ça ne va pas sur mon bras. Désolée, je vous bouscule. Mais le top Florence, donc, qui est un débardeur avec ce motif de dentelle tout autour. Donc Sari Nordlund vient de le publier sur Ravelry, donc il est maintenant disponible. Donc en fait, c'est un gilet que l'on tricote du bas vers le haut. Hop, je l'ouvre. On tricote les pattes de boutonnage en même temps. Voilà. En même temps, on monte, on monte, on monte, on monte. Hop, à plat, du coup. C'est une dentelle qui se fait, elle aussi, des deux côtés, avec aussi des points très simples. Hein. Vous voyez un petit peu la forme que ça fait, ça ondule. Donc c'est très répétitif, ce sont des tout petits motifs. Ça m'a pas empêché de me tromper deux ou trois fois. Mais en fait, quand vous vous trompez, sur le rang d'après, vous voyez ce qui s'est passé. Et du coup, on peut rectifier assez facilement. Mais voilà, on tricote le corps à plat, à plat, à plat, jusqu'aux emmanchures, où on... je sais plus si on rabat, oui, on rabat quelques mailles ici, puis on va diminuer conjointement le col et un petit peu l'emmanchure. Voilà. Et quelque chose que je n'avais pas du tout remarqué au moment où je me suis proposée pour le test, c'est que la finition de la patte de boutonnage, en fait, la patte de boutonnage diminue, en fait, jusqu'à atteindre le bord opposé, là. Et du coup, là, vous n'avez plus que la patte de boutonnage que vous tricotez à plat, en fait, à plat, à plat, à plat, jusqu'à atteindre une certaine longueur qui va vous permettre ensuite de l'attacher dans le dos. Donc, c'est la couture que vous voyez ici. En fait, vous attachez les deux morceaux de côte ensemble, puis vous les cousez au dos. Donc, en fait, à partir de là, la patte de boutonnage a été tricotée à plat toute seule, puis on les a accrochés, on a accroché les deux extrémités de chaque côté ensemble, et ensuite on coud le bord ici. Ce qui est assez sympa à faire, c'est assez marrant, c'est bien expliqué dans le patron. Puis en fait, quand on voit le... Disons que conceptuellement ça peut paraître un petit peu étrange, mais quand on voit ce qu'on est en train de faire, on comprend vite comment c'est censé se mettre. Ça nécessite quelques ajustements, ceci dit, parce que moi, par exemple, j'ai dû beaucoup réduire la longueur de ces côtes pour pas que ça baille derrière. Donc, il faut peut-être l'essayer d'abord pour vérifier que ça tienne bien à plat. Et sinon, ne pas hésiter à le faire de base plus court que ce qui est écrit dans le patron, puisque... il y a beaucoup de marge, je trouve, mais je trouve que ça fait une finition assez intéressante et c'est très sympa. J'ai utilisé, alors le patron de base se tricote en pure soie, soie de Knitting for Olive, qui est une marque danoise, et donc c'est une fingering légère qui est tricotée en double. Donc en fait, soit on prend une fingering fine qu'on tient en double, soit on prend de la déca. On peut prendre du lin, des choses comme ça. Et moi, j'ai utilisé la Samite de Blacker Yarns, qui est une qualité de Blacker Yarns qui ne se fait plus, mais qui est un mélange de plein de types de laine différentes et de soie. Donc, c'est un mélange qui est très laineux et qui est très rustique, ce qui fait que mon top à moi, il drape moins. Il est quand même... Alors, il n'est pas cartonneux, hein. Ce qui m'a un peu surpris, parce que au bout d'un moment j'avais peur parce que c'était assez dense au moment de tricoter, c'était un petit peu tendu, j'avais peur que ce soit un peu trop ferme, un peu trop rigide, mais non, en fait ça tombe plutôt bien et ça fait que la dentelle est un peu plus dense et que le top est moins transparent, ce qui ne me déplaît pas. Par contre, j'ai utilisé beaucoup plus de laine que ce qui était noté dans le patron, en ayant le bon échantillon en maille et en rang. C'est, je pense, une question de densité de fil, parce que forcément,
la pure soie, ça tombe vraiment beaucoup, c'est très aéré, tout ça. Alors que moi, c'est beaucoup, beaucoup plus dense. Donc, alors Sari Nordluna a réajusté un petit peu les métrages, donc normalement c'est bon. Mais si vous voulez faire ce top avec un fil qui est majoritairement laineux, surtout si c'est comme moi de la non superwash cardée, prévoyez plus de fil parce que moi je n'ai pas pu finir le top correctement. J'ai triché. En fait, je pense qu'il me manquait peut-être 200 mètres pour le finir correctement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai le dos. J'aurais dû le tricoter jusqu'à ce qu'il mesure, pour ma taille, il me semble que c'était 14 cm. J'ai à peine pu atteindre 9 cm et demi. C'est pas bon, c'est pas bien. puisque du coup, c'est l'emmanchure a tendance à tomber, c'est beaucoup trop serré, vous savez, je vous ai dit, moi j'ai horreur de ça. Ça retombait derrière, et du coup, ça faisait aussi que les côtes, là, se baillaient beaucoup. Donc, en associant le fait de bien raccourcir les côtes là pour resserrer le tout et en tirant comme une malade au blocage, l'avantage de la laine, j'ai réussi à gagner quelques centimètres et du coup le top me va. J'ai réussi à tricher suffisamment pour compenser le fait qu'il me manquait quand même 5 bons centimètres en hauteur dans le dos. Mais en trichant... s'en sort. Mais voilà, c'est pour ça que méfiez-vous si vous utilisez un fil qui ressemble au mien. J'ai bien envie de me le refaire en soie. Je trouve que c'est très très joli et c'est une matière qui est adaptée, qui est faite pour ce top et c'est très intelligent au niveau de la construction, au niveau du drapé, du point. Ça va vraiment parfaitement bien ensemble. Du coup, je pense me le refaire un jour. En pure soie dans 1000 ans quand j'aurai le temps, mais je suis quand même hyper contente de ma version et surtout j'aime bien le porter ouvert par dessus des robes ou juste des robes en fait. Mais voilà, je suis très contente. Alors il faut que je rebloche. Alors j'ai un peu mis mes boutons parce que j'ai pris les premiers boutons qui venaient, du coup je les ai pas bien espacés, donc du coup ça a mais il faut, voilà, il faut 5 boutons pour finir le top. Et voilà pour ce tricot de mi-saison, vraiment pour le coup, parce que dans ce fil-là, je ne peux pas le porter absolument pas pendant l'été. Mais voilà, je pense que je vous ai tout dit sur Florence, donc que Sari Nordluna a publié sur Ravelry il y a quelques jours. Donc je sais que pas mal d'entre vous l'aimez bien, donc voilà, maintenant il est disponible. Et voilà pour le projet terminé. Ça fait un moment que j'avais pas eu de projet terminé qui n'était pas un modèle. Mais voilà. Je vais passer à mes encours. Et un encours que vous connaissez qui est mon pull Colm, je ne sais pas. Qui est un modèle de Fiona Alice publié par Brooklyn Tweed. Que je tricote depuis un bon moment maintenant avec les laines des petites potions, donc de Déborah également, coloris amande grillée. Et donc c'est un pull en bottom up texturé, point de blé, côte torse, blablabla. J'ai un petit peu avancé par rapport à la dernière fois. En fait, je suis arrivée à la séparation du devant et du dos. Donc j'ai séparé et j'ai terminé le devant qui est très haut. Donc l'emmanchure est assez basse, hein. C'est vraiment un pull drop shoulder à fond qui devrait bien s'étaler au blocage pour, je l'espère, avoir suffisamment d'aisance. Mais voilà, j'avais fait presque ça au moment où je me suis rendu compte que j'avais une démarcation. Ça ne m'est même pas venu à l'esprit d'alterner les échevaux. Je pense que ça fait plusieurs projets que je fais, soit avec des laines commerciales, soit avec des laines dans des coloris neutres. Et du coup, je n'ai pas alterné les échevaux depuis belle lurette.
Et du coup, juste j'étais là sur le devant et puis je regarde à la lumière et je me dis oh non. Et en fait, c'était pas une vraie différence de bain parce que bon, déjà ils ont été teints ensemble, hein, mais les échevaux, quand je les regarde, oula, non, c'est échappé. Bref, les échevaux, quand on les regarde, ils sont quasi identiques, mais. C'est la faute à pas de chance parce que la fin de mon premier écheveau était claire et le début de mon deuxième écheveau était foncé. Et du coup, ça, en fait, plus loin, les couleurs étaient exactement les mêmes, mais il y avait juste une ligne, là, pile sur la poitrine, une ligne où ça se voyait. Et du coup, j'ai tout défait. Quel plaisir. Donc j'ai tout défait, j'ai dû défaire, il y a une bonne... 12 cm et j'ai alterné les écheveaux comme une bonne élève et maintenant il n'y a plus de problème. Voilà, donc là je suis bien sur mon deuxième écheveau, je suis sur le dos. Je suis peut-être à la moitié du dos, un peu moins de la moitié du dos. Mais voilà, j'ai envie de. Je vais essayer de finir le dos le plus vite possible pour assembler les épaules et l'essayer. Parce que s'il est trop petit, je chercherai une enfant à qui l'offrir. Mais oh, je pourrais peut-être le donner à la sœur de mon copain qui est toute fille. Peut-être. Même si, je sais pas si cette couleur lui plairait. Mais j'ai vraiment envie qu'il soit pour moi. Mais je sais pas pourquoi ça me stresse. Parce que... En fait, c'est vraiment trompeur. Parce que non seulement le point de blé et les côtes torses sont serrés. Mais en plus, il a une forme en entonnoir. Et du coup... T'as vraiment l'impression que c'est tout petit. Bref, je vais arrêter de parler de ça parce que ça, à chaque fois que je vous montre ce pull, je fais que dire je sais pas s'il va être suffisamment grand. Bon, on verra bien. Moi, je pourrais essayer de le passer là maintenant que le devant et le dos sont séparés, mais un peu la flemme. Et surtout, ce sera pas vraiment représentatif. Ouais. On verra bien. On verra bien, mais je vais essayer d'avancer un petit peu dessus. C'est ce que j'avais prévu de faire, sauf que le fait d'avoir dû défaire à cause d'une bêtise, de ne pas avoir fait attention à la couleur, ça m'a un peu poussée du côté d'un nouvel en cours. Et donc... Je reste raisonnable quand même. J'ai deux petits tops d'été que j'ai envie de faire là incessamment sous peu. Donc je pense que je vais un peu faire ça pour respirer, me détendre mentalement. Et le premier, c'est le débardeur, le Breeze Racer Back de Jessie Maid. Qui est, alors c'est un débardeur avec un dos nageur qui est tricoté en fingering avec... un échantillon très déjaugé, ce qui fait que c'est vraiment un débardeur hyper aérien. Voilà, le Jessie Maid, vous la connaissez peut-être, c'est elle qui fait beaucoup de petites brassières, des petits tops comme ça, hyper sympa. Elle a fait des petits shorts aussi récemment. Mais le Breeze Racerback, donc le débardeur dos nageur, littéralement, Breeze dos nageur, a traduit mot à mot. C'est un de ses premiers patrons il me semble et j'avais très très envie de le faire depuis longtemps et pour mon anniversaire Chantal donc qui est Shanti Knits sur Instagram et sur YouTube, elle a un podcast alors en anglais puisqu'elle est, elle est américaine, m'a gentiment offert le patron pour mon anniversaire du coup c'est l'occasion de le faire, surtout que si je peux le porter un petit peu cet été je serai très contente. Et donc c'est ça se tricote du bas vers le haut tout simplement. Donc là je suis sur le corps en jersey, donc j'ai une vingtaine de centimètres à faire encore je crois. Mais voilà, alors c'est très déjaugé, j'utilise des aiguilles 4,5. En fait vous avez deux échantillons sur ce top, vous avez 18 mailles et 23 mailles. 18 mailles en rond, 23 mailles à plat. Alors... Parce que sur le devant, on va tricoter à plat et l'idée, je pense, c'était d'avoir un échantillon plus serré pour que ce soit moins transparent au niveau de la poitrine, ce qui est très intelligent. Mais alors, j'ai juste survolé le patron, mais j'ai pas vu d'indication comme quoi il fallait changer d'aiguille à cet endroit-là. Je l'ai peut-être loupé, mais le fait est que moi, je vais sans doute
pas mal baissé de numéro d'aiguille puisque moi j'ai un échantillon qui est très très similaire en rond et à plat, cette chance là. Donc il va falloir que je bouge de numéro d'aiguille pour avoir le bon échantillon sur le haut du débardeur. Mais voilà, pour l'instant je suis sur la partie avec l'échantillon déjaugé. Donc bon, là c'est pas bloqué donc ça va s'étirer un petit peu plus, mais voilà, c'est très très transparent puisque j'utilise de la fingering. Vous pouvez très bien faire ce top en utilisant de la spore ou de la déca et du coup vous aurez un tissu moins transparent. Ça marchera très bien avec les deux échantillons je pense, de la déca, selon la composition. Mais là moi j'utilise une laine à chaussettes, c'est la Tote Sock de Tôt le Matin Yarns. Donc c'est Mérino Nylon, coloris frais, donc qui est un crème avec des speckles orangés et rose un peu fuchsia. Je pense que c'est un des tout premiers échevotés à la main que j'ai acheté. J'ai dû l'acheter il y a 3 ans. 2-3 ans. C'était sur sa boutique Etsy à ce moment-là. Et du coup, bah, je l'ai depuis très longtemps. Et ça fait très longtemps du coup que je sais que je vais faire ce top avec. Donc c'est un projet attendu de longue date. Et voilà. Donc pour l'instant, ça se passe très très bien. Rien de particulier à signaler. Si ce n'est qu'il y a quelque chose de très malin. Au moment de passer des côtes au jersey, souvent quand on passe de côte au jersey, il y a un rang là, le rang de transition, le premier rang de jersey disons, qui fait des petits trous sous les mailles en verre parce que à cause de la différence d'échantillon et du fait d'une maille en verre qui était un petit peu cachée au niveau des côtes, bah là doit se montrer sur le jersey. Du coup ça arrive assez souvent que sur les pulls, quand on passe de côte au jersey, on ait une espèce de premier rang ici qui soit pas très joli. Là ça aurait été encore pire du fait de l'échantillon très large, puisqu'on fait ces... Moi j'ai fait les côtes en 4 mm, donc vous voyez c'est vraiment des côtes... Si vous aimez pas les côtes qui sont étalées comme ça, moi ça me dérange pas trop sur des hauts qui vont être assez fluides, tout ça. Si vous n'aimez pas ça, clairement là ça ne va pas. Mais ça aurait été encore pire cette démarcation. Et, sauf que pile à cet endroit, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait, mais il y a un rang qui est tout bête avec des mailles glissées qui permet d'éviter ça. Juste avant de passer aux plus grosses aiguilles, on fait un rang avec des mailles glissées et en fait ça fait une transition qui est plus propre. Je trouve ça très malin. Et ça m'a fait plaisir. Parce qu'en fait, c'est tout bête. Hein. On monte les mailles en rond, on fait des côtes. Et là, je vais faire 20 cm de jersey. Mais il y a des petits détails. Ce petit détail en particulier qui me plaît beaucoup. Et c'est ce que disent en général les gens sur les modèles de Jessie Made. C'est que c'est précis dans les détails. Et donc, j'ai hâte de continuer et de voir ce que ça donne au niveau du donageur et en haut. Mais pour l'instant, voilà, je suis très contente du rendu avec les petits speckles. Et voilà pour l'encours sur lequel je suis actuellement en train de travailler. Le deuxième encours sur lequel je suis en train de travailler. Je voulais vous montrer de la jolie laine que j'ai achetée. Je vous avais parlé il y a quelques semaines du coup de laine un peu unique, non superwash, et du fait que j'avais du coup un petit peu craqué sur la boutique de Tôt le Matin Yarns qui a toute une section fil non superwash avec plein de bases différentes. Et du coup Tôt le Matin Yarns, c'est Lauriane son prénom il me semble, elle le teint à la demande, donc vous pouvez choisir exactement telle couleur sur telle base, telle quantité, etc. Donc c'est super pratique et surtout elle est relativement rapide je trouve, surtout quand on lui a commandé 5, 6, 7, 8, 8 échevaux. du coup bah, ça valait complètement le coup puisque j'ai trouvé ce que je cherchais. Et je voulais en premier lieu je voulais une base déca ou worsted, un fil épais, non superwash, qui ressortirait bien en torsade. Je voulais quelque chose un peu dans l'esprit de la Gilliatt, de Dererum Natura, mais si possible avec un fil un peu plus rond, avec un peu plus de définition. Et je voulais essayer autre chose que la Dererum Natura.
Et du coup, tout le matériel, elle a la Tote Highland. Je sais pas pourquoi je vous montre, parce que de toute façon, voilà, vous pouvez pas lire. Mais bon, c'est la Tote Highland, donc c'est 100% laine Highland. En tout cas, donc, qui a... voilà, les maths. Donc c'est 224 mètres haut, 100 grammes. Coloris profondeur, donc c'est un bleu gris qui est pas trop clair, qui est pile ce que je voulais pour le projet auquel je pensais, qui sera peut-être cet automne, peut-être cet hiver, je ne sais pas. Je ne sais pas si je l'ai prévu, trop de trucs de prévu. Mais voilà, je vous avais dit que j'avais craqué, hein. Mais je suis trop contente parce que c'était pile le genre de coloris et de fil que je voulais pour ce projet. Ce sera pour faire des torsades et en tout cas j'ai hâte de les mettre en pelote parce que c'est pile ce que je voulais. La deuxième base qui m'avait beaucoup attirée, c'est le mélange Coridel et Mohair. Donc je vous en avais brièvement parlé, j'aime énormément quand le mohair est mélangé dans la fibre. Je trouve ça beaucoup plus intéressant plutôt que de toujours juste tenir un fil de mohair à côté. En fait, voilà. Là, c'est 50% Coridel, 50% mohair. Le Coridel, c'est un fil, une laine qui est très solide, plutôt douce, qui est entre le BFL et le Merino. Hein, c'est un fil qui est assez passe-partout, mais qui est quand même... C'est quand même sympa en fait de mettre en avant une race de moutons un peu différente. Et il y en a un petit peu du Coridel qui arrive et du coup ça me fait plaisir. Non. Quel cauchemar. Donc ça c'est une base fingering, donc à 400 mètres au 100 grammes et qui est assez fine. Donc à voir avec quel échantillon je la tricote, mais en tout cas on a un joli halo qui est pas trop prononcé, donc c'est aussi pour ça que j'aime bien quand le mohair est dans la fibre, parce qu'on a le halo, on a la brillance, on a le drapé, mais c'est moins fluffy, donc on peut se permettre notamment de faire du jacquard, ce qui est mon idée, puisque j'ai pris, attention, je n'ai même pas pris du rouille. J'ai pris, c'est caramel, c'est pas rouille, c'est pas pareil, d'accord. J'ai pris le coloris Safari, donc qui est un doré, je sais pas quelle couleur c'est un orange passé, oh, c'est trop vif sur le téléphone, c'est plus doux que ça. C'est un, ouais, un orangé beige, c'est beaucoup plus, atténué que ce que vous voyez là. Et le coloris sable ensemble. Alors j'ai complètement copié Marie-Amélie. Marie-Amélie qui sort, alors vous voyez ça mercredi, il me semble qu'elle l'a sorti hier, le pull Sagittarius, c'est ça? Un très très beau top et pull qu'elle a fait avec tout un motif de jacquard partout. Et elle a fait deux versions, et une version à manches courtes, elle a utilisé la Halls Garn, pile dans ses un crème, enfin gris et cru, et un doré. Et du coup j'ai complètement copié parce que c'est trop joli. Bon, ça n'aura rien à voir, hein, mais je trouvais l'association de couleurs très 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 jolie. Quand j'ai vu sur le site de Tout le Matin ce coloris là, je me suis dit, ah, ça m'a fait penser aux photos qu'on a vues du pull de Marie-Amélie. Et du coup ça m'a... j'ai copié. Mais voilà, donc ce sera un pull. Je sais pas si ce sera du jacquard, si ce sera un yoke en jacquard, ou si ce sera un jeu de texture avec juste genre des finitions dans le coloris contrastant. J'ai pas encore décidé. J'ai pas envie que ce soit du jacquard tout du long. Enfin, j'ai une vision de simplicité. mais en tout cas, j'aime beaucoup cette association de couleurs. Et le fil qui a une très très jolie brillance. Voilà, j'ai hâte de le tricoter et je verrai bien avec quelle aiguille je pourrais m'en sortir. Mais voilà pour un petit peu, je vous avais prévenu que j'avais craqué chez Tout le Matin Yards, bah voilà, c'est arrivé. ça fait beaucoup de laine. J'ai tout dit. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Je vous retrouverai début juillet pour des tops d'été, n'est-ce pas?
En tout cas, d'ici quelques jours, il y aura la fameuse vidéo sur la lecture des diagrammes qui, j'espère, vous aidera un petit peu. Je vais essayer de la monter rapidement. Mais voilà, à part ça, je vous dis, je vous donne rendez-vous début juillet pour un podcast. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut !